qu'il y a un groupe en citoyen dans le département sud-là qui présentait hier lundi en bas de la presse sa cellule Réflexion Sud pour y en sortir de crise. Mais juste avant de dire ça, Guerrier, nous venons avec un sociologue Winchel Jean-Baptiste, n'a dit qu'il y a un militant politique Ribel Cornel, qui est un journaliste à ce matin là, c'est à Bacop délégation sud, il a arrêté dans le cadre d'un mandat, le mandat qui était lancé contre militant politique yo, question pour le contre activité de l'État. C'est bien bon des matins que l'État prend l'île et l'État dans le commissariat au cas selon l'information que nous gagnons à l'instant même. Et Jean-Noël Dillian Guerrier, groupe en cellule Réflexion Sud pour yon côté de crise, et bien été présenté par la presse hier. Ils ont proposé dans le document ça pour ce président qui sortit dans la cassation avec un premier ministre Contentis qui est arrivé dans la tête de pouvoir. Donc, une proposition qui est déjà jointe dans la CIA, plusieurs dizaines affectées. Donc, dans ce sens-là, avec nous, Winchel Jean-Baptiste, donc, qui en lit. Dis-nous donc, Winchel, document ça, est-ce que ce n'est pas une de plus qui ça qui en donne, puisque nous avons une décision qui est comme dans le même sorti là, qui dit qui ça y a même souhaité qui c'est un conseil cette monde. Donc il même qui positionne déjà sur ça. Bonjour Georges. Bonjour Caraïbes. Et nous très content de participer avec nous dans l'émission du journal pour matin. Alors Jean dit Georges, bon groupe citoyen dans le sud parce que depuis 1915 Haïti centralisé au niveau politique avec administratif. C'est-à-dire toute grande décision yo prend dans la capitale là. Et l'autre dans la population capitale là, il va même représenter 40% de la population totale d'Haïti. Donc, groupe monde qui a pas au prince, toujours bonne intention que Haïti a fait yo. Il a décidé pour tout rester là. Au capable de ce niveau que nous descendons là, c'est qu'un pays qui fait 1804. Mais après, nous avons que 1804, c'est plus grande révolution qui fait dans le monde là. Anticolonialiste, anti-esclavagiste, anti-raciste. Il y a un pays qui va rentrer dans le film de l'égalité des races humaines. Je dis à nous, dans une situation côté, n'a fait devoir pour soumettre bas deux pays dans le carré comme là, qui a eux-mêmes globalement représenté 10 millions de monde et 18 millions de monde. Ok, nous-mêmes, nous 11 millions. Donc, nous par contre, ça a étudié. Je dis à nous, pour un pays, à nous défendre dans le niveau qui est bas. Quel, nous devons soumettre devoir, de membres de carré comme, pour choisir pour nous qui est le monde qui est supposé diriger Haïti. Et je dis à là, on a une question de collège électoral, côté collège présidentiel plutôt, côté qu'on parle bien 7 monde et qui parle diriger un pays, c'est-à-dire qu'on va effondrer davantage dans la crise. Et ce n'est pas sans raison qu'on choisit pour proposition ça, c'est pour crise là capable de perdurer. Donc nous-mêmes, en tant que citoyens de la commune et des CAI et du département du Sud de manière globale, on chita avec différentes organisations, différentes personnalités dans la ville là, nous proposons plutôt pour nous retirer nos normes constitutionnelles, à savoir aller vers la Cour de cassation, choisir un président, et entre partis politiques qui là, yo capable ensemble sous proposer un premier ministre avec un gouvernement de consensus. Et comme nous n'avons pas donc le Parlement qui est capable de jouer le contre-pouvoir par rapport à l'exécutif là, nous proposons que les départements géographiques capables de représenter, mais de volontaires qui n'ont pas besoin de payer, n'ont une structure de contre-pouvoir, une structure de contrôle par rapport à un gouvernement qui va activer la transition pendant environ 18 mois. C'est-à-dire contrôler si pas de dérive. Contrôler si que yo respecte l'échéance pour y organiser des élections et par rapport à ça qui gagne comme mandat. Donc, c'est ça la proposition. Donc, je dis à la non, c'est vraiment malheureux dans le pays pour obtenir deux leaders politiques. Parmi la femme, parmi yo gagne un doctorat dans le sens politique. Puis, yo chita non, zoom, puis, ap soumettre deux propositions par des petits pays qui n'ont aucune histoire pour choisir deux monde pour nous diriger Haïti. Donc, on a fait 1804. C'est Karl Marx par Salier, parce que c'est le Saline. Donc, faut nous qu'on qui ça a été. Donc, nous-mêmes, à travers le département de Grand Sud, nous rappelons hommes politiques, on ne fait pas ça un pays. Donc, dans le sud, Winchel, c'est pas facile. C'est peut-être une rare fois. Dans ce sens-là, nous voyons que les différents secteurs qui vraiment pas qu'on entend nous avant, qui toujours chaque
yon bon, mais à coup réflexion ça, tout le monde constatait que nous mettait tête ensemble, c'est qui ça qui était fait confiance ça après un bon côté nous. Bon, bon, c'est difficile de passer bon retour, Georges. Vous êtes capable de essayer pour une question pour moi? Oui, donc on nous dit que bon ici à dans le sud, c'est pas facile pour voir différents secteurs mettre tête ensemble, notamment des monde qui chaque connion bon, c'est qui ça qui te permet que conscience ça a finalement prendre bon côté nous pour mettre tête ensemble. Alors, mon nous d'abord besoin qui est-ce qui va bâtir confiance. Donc les non structures derrière de personnalité dans la communauté à et de monde ouais qui là-dedans, je dis ça n'est capable de faire confiance. Le vrai monde dit depuis une celle là met antinomie de là et l'autre monde encore nous pensons que ça c'est sérieux. Donc c'est ça que je dis là, nous avons presque une trentaine d'organisations et qui déjà signé une proposition ça que nous pensons qu'il doit gagner de objections qui capable de gagner ajustement, mais au moins il est censé par rapport à structure de contrôle que nous dit qu'il a dû être fait à travers une représentation de notre département. C'est juste que nous ajouté, c'est extrêmement important, pour l'autre département autour, qu'on est que ce n'est pas Port-au-Prince qui est Haïti. OK? Port-au-Prince représente, ma peuple, encore environ 40% de la population haïtienne. Donc, ville de province, je dis à la l'absence de l'autre département, ils ont essayé de joindre à ça que nous proposons pour nous dire nous-mêmes, mais quelle forme de gouvernance nous avons besoin. Parce que nous, en 2024, donc Haïti, après la révolution, ça n'est pas capable de faire un pays ça. Donc, quitter le pays ça, non, mais M. Porte, bien sûr, qui a discuté pour question de job. Parce que nous n'avons pas que nous proposons une génération 90-2000 en Haïti. Nous faisons comprendre que politique là, pour le monde vient gérer poste, pour des raisons économiques, l'État n'est pas capable de faire un employeur. C'est pour créer une stabilité dans l'État, pour capable gagner des investissements pour mon jeune job de l'autre côté. Donc, nous ne sommes pas capables de penser que c'est dans le Parlement, c'est dans l'exécutif là, c'est dans l'autre institution de l'État pour mon jeune job. Non, l'État là pour créer une stabilité, pour que des investisseurs privés soient capables d'investir et puis mon jeune job. Donc, il faut que nous commencions à prendre une école de prince modèle ça fait à Haïti depuis 1915. Hein? Donc, parce qu'avant 1915, les gens ont fait de Port-au-Prince. Ou de grands ingénieurs qui marquent sur Port-au-Prince, et puis ils ont chargé le pouvoir, et puis ils ont dit, mais qui ça nous proposer? Mais je dis à la, depuis 1915, nous créons l'armée d'Haïti, nous mettons garde nationale, et puis grande décision à prendre au niveau de Washington, et je dis à ce qui met Haïti dans le niveau qu'il y a là. Donc, pour un pays pas centralisé, pour un vaisseau pas autonome, nous avons gagné des ports qui étaient ouverts à commerce extérieur avant 1915, je dis à la, tout se fait au niveau de la capitale, et même homme politique, il y a une prétention que depuis le Port-au-Prince, c'est eux qui piquent lui, et eux même qui sont capables. Et ceci, nous, est résultat là. Après, puisque 99 l'année de domination américaine, depuis 1915. Donc, l'ensemble, Winchell, c'est le contexte actuel, c'est lui-même qui force de mettre tête ensemble. Est-ce que celui de ça a pas gagné à venir ou bien l'autre alternative puis devant, en absence des dirigeants ou de leaders politiques, nous constatons le département sud-là gagné actuellement? Bon, en attendant, on a fait un travail de communication, c'est lui qui est beaucoup plus fondamental. On a essayé de faire une veille là, de la part de l'autre département, yo, pour commencer à dire. Pour le fait qu'il y ait une leadership politique avec l'administratif, mais ça a créé au fait des pays. Non? Je dis à là, une grande nation, nous prenons le mettre dans la boue. Donc nous commençons à travers le mouvement, ça d'abord, bien plus légitimité au niveau de région et sud-là. Nous avons essayé de garder comment nous sommes capables de joindre, d'entendre tout avec l'autre département comme sud-est, comme Nice, avec grandeur. Et ensuite, lorsque nous gagnons légitimité régionale, et d'aller dans quel niveau nous capables de rallier le Nord et puis et les autres départements pour qu'ils soient capables de dire Port-au-Prince, donc nous ne pouvons pas continuer à jouer avec l'avenir pour ça. Parce que c'est province qui a payé les frais de mauvaise gouvernance que M. Port-au-Prince a fait. Donc d'abord, première étape, là, c'est l'étape de communication. Ça. Nous sommes sûrs, après l'intervention ce matin, nous avons commencé à gagner l'autre département côté monde crédible avec honnête. Parce que nous avons toujours pensé que Haïti, c'est pas que nous sommes encore, nous sommes sérieux dans le pays. Et nous lançons un appel matin là. Bah, tout le monde sérieux, crédible, honnête et compétent qui est dans notre ville de province, commence à chita entre eux-mêmes pour suivre le modèle
que le Sud proposait, à savoir, il faut rapatrier la question haïtienne, il faut permettre aux villes de province pour que yo dirige et tête yo, d'ailleurs, pendant que l'on processus de décentralisation, pour que l'autonomie régionale capable véritablement un bagage effectif. Merci, Winchel Jean-Baptiste. Merci, à bientôt. Merci, Gaïa.